Non, ils ont pas fait ça. Ils ont augmenté le prix encore? Non. Mais c'est pas possible. Oh les cons. Après de longs mois de stabilité, les fluctuations s'enchaînent sur le modèle 3 alors qu'une première hausse s'était observée la semaine dernière, Tesla vient à nouveau d'augmenter le tarif de la version de base, désormais affiché à 46 990 euros. Dans le configurateur du constructeur, la modèle 3 bondit de 2000 euros par rapport à la semaine dernière, sauf que, du coup elle n'a plus le bonus de 6000 euros. Oh là là, mais quelle erreur! Pourquoi? Si le constructeur ne justifie pas les raisons de cette hausse conséquente, on peut estimer que le contexte y joue pour beaucoup. Avec le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, le prix de certains composants a bondi. C'est notamment le cas du nickel. Donc fin du bonus pour la modèle 3. Elle perd son droit au bonus maximal de 6000 euros réservé aux véhicules électriques dont le prix est inférieur à 45 000 euros. Résultat, avec une prime gouvernementale désormais limitée à 2000 euros, le tarif bonus déduit d'une modèle 3 grimpe à 44 990. Oh là 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 là, quelle horreur. Ah ben là, ça change tout, hein. Ça, plus l'ouverture des superchargeurs à tout le monde, qui va arriver bientôt. Désolé, mais Tesla est en grosse perte de crédibilité, là, par rapport à la concurrence, hein. Franchement, entre une Kia EV6 et une modèle 3 standard, je prends la Kia, hein, les gars, hein, désolé, hein, mais vous m'excuserez, hein. Aïe aïe aïe. Doté de la transmission dual moteur, les versions grande autonomie et performance restent pour l'heure affichées au même prix. Ok, ça bouge pas. Faut-il s'attendre à d'autres augmentations de tarifs dans les mois à venir? Si Tesla n'a pas souhaité réagir, il faut malheureusement s'attendre à de nouvelles fluctuations dans les semaines à venir et dans les mois à venir, compte tenu de la crise mondiale qui semble partie pour durer. A l'inverse, une baisse des tarifs n'est pas impossible non plus. Tesla l'a déjà fait par le passé. Les perspectives géopolitiques laissent toutefois présager que ça ne sera pas pour tout de suite. Tesla n'est évidemment pas la seule marque impactée. Si ce n'est pas déjà fait, d'autres constructeurs devraient revoir leur prix à la hausse dans les semaines à venir. Ok, bon bah les ventes de Tesla vont s'effondrer hein, en France, hein, je pense que c'est terminé là. Plus personne va acheter le modèle 3. Hein. Ouais, il y aura peut-être encore des achats, j'exagère, mais ça va s'effondrer vraiment quoi. Là c'est terrible. Donc voilà, bah écoutez, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, hein, je crois que là c'est terrible. C'est terrible, un gros coup dur pour Tesla. La précédente augmentation avait fait mal aussi, mais bon, au moins il y avait encore le bonus de 6000 euros. Là, il n'y a plus le bonus. Par contre, les modèles d'occasion vont bien se vendre du coup. Ça change tout. On fera les annonces Le Bon Coin jeudi prochain d'ailleurs, pour voir un peu si ça va bouger au niveau des prix. Eh ben mon vieux, incroyable hein, ces annonces-là. Allez, ciao.